Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier 3 minutes chrono consacré aujourd'hui à l'UIC. Première question, qu'est-ce que l'UIC ? Eh bien tout simplement, l'UIC est le premier et unique syndicat représentatif des courtiers en crédit. Oui, l'UIC est un syndicat, l'UIC n'est pas une association, puisque l'UIC a une volonté claire de défendre, représenter et promouvoir. Défendre la profession des attaques qu'on a vécues depuis 2019, notamment de la part des banques sur nos entraves à la liberté d'exercice, et faire reconnaître le mandat, qui est le seul document qu'on peut nous exiger pour travailler. Ça, ça a été fait, c'est l'UIC qui a gagné le mandat. Représenter, c'est représenter les courtiers dans toutes les instances et dans les médias. Rappelez-vous la vision qu'avaient les journalistes et les pouvoirs publics des courtiers avant l'UIC ? Nous étions des mercenaires. Aujourd'hui, les courtiers sont du professionnel du crédit. Aujourd'hui, les courtiers sont vus comme des vrais experts. Les courtiers sont sollicités, les courtiers sont écoutés, les courtiers interviennent dans les réunions sur le taux d'usure, sur les réformes, sur la HSF. L'UIC remet des rapports. Aujourd'hui, l'UIC représente les courtiers qui étaient jusque-là inaudibles. Promouvoir le courtage, c'est quoi ? C'est expliquer aux médias, expliquer au grand public qu'est-ce que c'est qu'un courtier, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on apporte. L'UIC a clairement ses missions, défendre, représenter et promouvoir. Et vous savez quoi, ça marche. Qui pensait en 2019 que le mandat allait être reconnu ? Personne. Qui pensait en 2019 que les banques allaient réouvrir les portes aux courtiers sans les conventions ? Personne. Qui pensait que la Banque de France allait faire marche arrière sur le taux d'usure et désormais le rendre mensuel ? Personne. Qui pensait que des courtiers seraient capables d'aller manifester devant la Banque de France ? Personne. Et pourtant, l'UIC l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes nombreux puisque l'UIC a des représentants dans toutes les régions qui sont vraiment nos relais locaux et qui sont très importants. L'UIC a une volonté nationale, l'UIC a une pensée qui est nationale, mais nous agissons localement. À chaque problématique rencontrée avec une banque, l'UIC est là. À chaque problématique rencontrée avec un client, l'UIC est là. L'UIC est réellement un soutien à votre activité. Tout simplement parce qu'adhérer à l'UIC, c'est rejoindre le mouvement des courtiers qui sont en train de changer le métier. Adhérer à l'UIC, c'est voir son métier différemment. C'est accepter que le métier ait changé, mais c'est s'adapter au changement. C'est être un professionnel du crédit, c'est être indépendant, c'est être fier de son métier, c'est porter ses valeurs, c'est faire valoir ses droits. Et vous savez quoi, ça marche. Les liens que l'UIC est en train de créer avec les banques sont des liens nouveaux et ça fonctionne. L'image qu'ont les courtiers dans la presse et auprès du grand public a totalement changé et ça fonctionne. Et puis nous, le fait de ne plus être seul et de ne plus avoir des concurrents mais des confrères est, je crois, la plus belle victoire. Rejoignez le mouvement, faites partie de ceux aujourd'hui qui ont su défendre le métier, rejoignez ceux qui font partie de l'avenir, www.uic-france.com. L'UIC aujourd'hui est la seule instance qui vous défend et vous allez voir, ça change tout.